Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons entreprendre un petit voyage dans le passé à l'origine de la création. Bien avant l'être humain ou même les dinosaures, bien avant les anges ou les djinns, avant même le Big Bang et la création des cieux et de la terre. Avant toute création, il était là, le seul, l'unique, l'éternel, Allah. Et en effet, un jour, quelqu'un demanda au prophète Mohammed où était notre Seigneur avant qu'il ne débute la création. Et le prophète de répondre, rien n'existait à part lui. Il n'y avait rien au-dessous de lui et rien au-dessus de lui. Cela nous démontre que la création a besoin de Dieu et de rien d'autre. Car tout au début, il n'y avait que lui et rien d'autre. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, Dieu est le créateur de toutes choses et de toutes choses, il est le gardien. Tout en dehors du Créateur a été créé par lui et est sous sa domination. Dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble au tout début de sa création, les premières choses qui ont été créées par Allah, puis d'enchaîner sur l'histoire du tout premier être humain de l'humanité, le prophète Adam alayhi salam. On en parle tout de suite après la petite intro. Comme nous l'avons vu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit qu'au départ, il y avait Allah et rien d'autre. Puis, Dieu créa l'eau et le trône Al-Arsh, comme l'indique le hadith. Rien n'existait à part lui. Il n'y avait rien au-dessous de lui et rien au-dessus de lui. Puis, il créa le trône au-dessus de l'eau. Ces choses ont donc été créées avant les cieux et la terre. Dieu mentionne à plusieurs reprises dans le Coran qu'il est le seigneur du trône glorieux Al-Arsh, car il s'agit de l'une de ses plus belles créations. Le Kursi, quant à lui, est un repose-pied en bas du trône, et Allah, lui, est au-dessus du trône, rien ne lui échappe. Son repose-pied s'étend au-delà des cieux de la terre, on rapporte dans un hadith, le repose-pied par rapport au trône est comparable à une bague de métal jetée au milieu d'un désert sur terre. Et le compagnon Ibn Abbas a dit que le repose-pied s'étend au-delà des cieux de la terre. Imaginez le trône. Nous ne savons pas à quel point il est grand, et nous savons encore moins à quel point Dieu lui-même est grand. Nous savons juste qu'Allah est plus grand que l'univers, qui lui-même est une grandeur inconcevable pour l'esprit humain. Par ailleurs, Allah parle dans le Coran des anges qui portent le trône. Ce sont des créatures immenses et magnifiques, et au jour du jugement, ils seront 8 à porter le trône d'Allah. Ces anges glorifient Dieu et attestent de sa perfection. À noter que Dieu est indépendant du trône et indépendant de ceux qui portent le trône. En réalité, il n'a nul besoin du trône et n'a pas besoin de ceux qui le portent, mais Dieu fait ce qu'il veut. Après la création de l'eau et du trône, Dieu créa le kalam. Un hadith nous informe. Dieu décréta les mesures de la création 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, tandis que son trône était au-dessus de l'eau. Mais quelles sont les dimensions du kalam? À quoi ressemble-t-il? Nous n'en avons aucune idée. Tout ce que nous savons, c'est que le prophète nous a dit, alayhi salatu wassalam, Dieu dit au kalam, écris. Et le kalam répondit, ô Seigneur, que dois-je écrire? Dieu dit, écris le destin de toutes choses jusqu'à ce que l'heure vienne. Comme nous l'avons constaté, le kalam fut créé 50 000 ans avant les cieux et la terre, écrivit tout ce qui allait se passer jusqu'au jour dernier, et cela sur ce qu'on appelle la tablette préservée. Le Créateur l'appelle ainsi parce qu'elle est protégée contre toute modification et contre tout accès. Tout est mentionné dans ce livre jusqu'à cette feuille tombant d'un arbre. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrivera et tout ce qui aurait pu arriver est mentionné dans cette tablette. Cette tablette raffermit la confiance de l'homme en Allah, en ce sens que tout ce qu'il a décrété a été inscrit sur une tablette. Tout ce qui arrive est fait pour une juste raison. Dans nos vies, parfois, nous comprenons les raisons de certaines choses, mais il y a certaines choses qui nous échappent, nous n'arrivons pas à en saisir le sens. Mais nous devons savoir que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il le fait pour notre bien. Dieu va par la suite créer les cieux et la terre, l'univers que nous connaissons. En science, le début de l'univers commence après le Big Bang. Il y avait une singularité initiale qui va subitement libérer une énorme quantité d'énergie avant que l'univers ne rentre dans une phase d'expansion. Et petit à petit, les planètes vont se former ainsi que les étoiles et toute la matière existante. Cette description correspond parfaitement au verset du Coran. Ceux qui ne croient pas ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient à l'origine qu'une masse compacte, puis
Nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront donc-ils pas ? Sur la base de ce verset, certains érudits affirment que Dieu a créé les cieux avant de créer la terre. Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel ? C'est pourtant Dieu qui l'a créé. Puis, il en a élevé bien haut la voûte et l'a parfaitement agencé. Il en a ensuite assombri la nuit et en a fait luire le jour. Par la suite, il a étendu la terre et en a fait jaillir son eau et pousser ses pâturages. Et les montagnes, il les a fermement ancrées. Tout cela afin de pouvoir à vos besoins et à ceux de vos bestiaux. En science, on sait d'ailleurs que la Terre est une création assez récente par rapport à l'âge total de l'univers. Certains pourraient se demander. La science explique que le Big Bang a 13 milliards d'années, alors qu'il y a un verset qui nous dit « Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. » Comment concilier ces deux informations ? Eh bien, selon certaines interprétations, les 6 jours de la création des cieux et de la terre mentionnés dans le Coran constitueraient des périodes beaucoup plus longues que des journées de 24 heures. Le fait est que le terme employé, « yom », désigne à la fois un jour de 24 heures et des périodes beaucoup plus longues, comme le montrent deux versets du Coran. « Et un, entre guillemets, yom auprès de ton Seigneur est comme 1000 années de ce que vous comptez. » En un yom dont la quantité est de 50 000 années. Ces versets prouvent bel et bien que le temps a une notion relative. D'anciens ulama avaient d'ailleurs déjà proposé que ces 6 jours ne seraient pas de 24 heures, mais d'une durée beaucoup plus longue, et Allah sait mieux ce qu'il en est. Allah est également le créateur des océans, des rivières et de la pluie, ainsi que du soleil et de la lune. Il est dit dans le sens du verset « Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Dieu qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. » Dieu créa les anges à partir de lumière. Ils sont incapables de désobéir, ils font tout ce que Dieu leur commande. Ils ont la responsabilité de nombreuses tâches. Par exemple, l'ange Gabriel était responsable de transmettre la révélation de Dieu aux messagers. Il y a également l'ange de la mort, etc. En revanche, en islam, nous ne croyons pas à une notion d'ange déchu, nous ne croyons pas non plus que le diable était un ange au départ. En tout cas, c'est l'avis le plus fort chez les savants de l'islam. Même si les anges exécutent tout ce que Dieu leur commande, ce ne sont pas des robots. Ils ont des caractères bien distincts. Ils aiment et détestent, prient et sont enclins à certaines choses, mais toujours dans les limites de leur obéissance envers leur créateur. Les djinns, quant à eux, furent créés à partir d'un feu sans fumée. Ils furent créés avant les hommes. La raison d'être de leur existence est la même que celle de l'homme, l'adoration exclusive d'Allah. Certains parmi les djinns sont musulmans, tandis que d'autres sont mécréants. Le premier être humain créé fut Adam, qui a été instantanément créé par Allah. Cela réfute la théorie qui voudrait que l'homme descende du singe, et j'avais déjà traité de ce sujet brièvement sur la chaîne. Néanmoins, il se pourrait bien que j'y revienne dans une vidéo plus complète, Inch'Allah. Le Coran nous rapporte. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un vice-roi sur la terre », ils dirent, « Vas-tu en établir un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, tandis que nous sommes là à te glorifier et à te sanctifier ?» Il dit « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » C'est ainsi que débute l'histoire d'Adam, le premier être humain, le premier homme. Dieu créa Adam d'une poignée de terre. Des anges furent envoyés aux quatre coins du globe afin d'y cueillir la terre à partir de laquelle allait être créé Adam. La terre apportée était rouge, blanche, brune et noire. Elles étaient à la fois molles et malléables, dures et sablonneuses. Elles provenaient des montagnes et des vallées, des déserts arides, des plaines, et de tous les lieux se trouvant entre eux. Les descendants d'Adam allaient donc être aussi diversifiés que cette poignée de terre. Et en effet, les hommes ont tous des apparences, des caractéristiques et des attributs différents. Il est dit dans le Coran, « Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un humain à partir d'argile sonnante. Lorsque je l'aurai bien façonné et que je l'aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous prosternés devant lui. » Il faut dire que Dieu honora de plusieurs façons ce premier être humain. Il lui insuffla son âme, il le façonna de ses propres mains et il ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Il dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Ils se prosternèrent tous, à l'exception d'Iblis, qui refusa de s'exécuter. Dieu a affirmé à l'humanité ne l'avoir créé que pour qu'elle l'adore. Tout dans ce monde a été créé pour Adam et ses descendants pour les aider à mieux connaître Dieu et à l'adorer comme il se doit. De par son infinie sagesse, Dieu a fait d'Adam et de ses descendants les gardiens de la terre. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a enseigné à Adam tout ce qu'il avait besoin de savoir pour mener à bien cette tâche. Et il a appris à Adam les noms de toutes choses.
Dieu a donc donné à Adam la capacité d'identifier et de nommer toutes choses. Il lui a enseigné le langage, de même que l'art de s'exprimer et de communiquer. Allah a imprégné Adam d'une soif inaltérable et d'un amour profond pour le savoir. Peu après qu'Adam eut appris les noms de toutes choses, Dieu dit aux anges, « Dites-moi les noms de ces choses si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Puis, Dieu se tourna vers Adam et dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis, lorsque Adam les eut informés de ces noms, Dieu dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais les secrets des cieux et de la terre, et je sais ce que vous divulguez, de même que ce que vous cachez. » Adam tenta donc de s'adresser aux anges, mais ils étaient occupés dans l'adoration d'Allah. Les anges ont été créés dépourvus de libre arbitre. Ils n'existent que pour glorifier et adorer Dieu. Adam, quant à lui, fut créé avec la faculté de raisonner, de faire ses propres choix, d'identifier les choses qui l'entourent et de comprendre leur utilité. Et cela le prépara à sa prochaine étape sur terre. Même si Adam connaissait le nom de toutes choses, il était bien seul au paradis. C'est alors qu'un matin, lorsqu'il se réveilla, il vit une femme à ses côtés. Adam ouvrit les yeux et vit une jolie femme qui l'observait, penchée vers lui. Surpris, il demanda à la femme pourquoi elle avait été créée. Elle lui dit qu'elle était là pour combler sa solitude et pour qu'il puisse vivre en toute tranquillité auprès d'elle. C'est alors que les anges questionnèrent Adam. Ils savaient que celui-ci possédait un savoir qui leur faisait défaut et qui était essentiel à la vie des hommes sur terre. Ils demandèrent donc « Qui est-ce ?» et Adam de répondre « C'est Ève, qui signifie vivre. » Adam dit donc aux anges qu'Ève avait été nommée ainsi parce qu'elle a été créée de lui-même et qu'il était lui-même un être vivant. Pour anecdote, la tradition judéo-chrétienne affirme elle aussi qu'Ève fut créée à partir d'une côte d'Adam. Il est dit dans le sens du verset « Et Allah dit, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé, à partir de celui-ci, sa compagne. Puis, de l'union de ces deux-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. » Adam et Ève, donc, vivaient heureux au paradis. Le Coran ne révèle pas l'emplacement exact du paradis, mais les exégètes s'entendent pour dire qu'il n'est pas sur terre et que la connaissance de son emplacement n'est pas essentielle aux humains. Ce qui compte, c'est de comprendre la signification des événements qui ont eu lieu. Allah continue de s'adresser à Adam et Ève en les mettant en garde. N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Adam et Ève vivaient en toute tranquillité et savaient qu'il leur était interdit de manger de cet arbre en particulier. Cependant, Satan attendait le moment opportun pour exploiter la faiblesse de l'être humain. Qui est Satan d'ailleurs? Eh bien Satan, c'est cette créature provenant du monde des djinns. Les djinns ont été créés à partir de feu. Ils sont différents des anges et des hommes, mais comme les hommes, ils possèdent la faculté de raisonner et de choisir entre le bien et le mal. Comme nous l'avons vu, les djinns existaient déjà avant la création d'Adam, et à une époque, Satan était le plus vertueux des djinns, si vertueux en fait qu'il occupait une position élevée parmi les anges. Il est dit dans le sens du verset, « Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, à l'exception d'Iblis, qui refusa d'être de ceux qui se prosternent. Alors Dieu dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne suis pas tel à me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile sonnante, extraite d'une boue malléable. » Dieu dit, « Alors sors d'ici, car te voilà banni, et la malédiction sera sur toi jusqu'au jour du jugement. » Satan était donc dans le paradis avec Adam et Ève, et il avait juré de les égarer et de les tromper, eux et leurs descendants. Il dit, « Je me tiendrai à l'affût d'eux sur ton droit chemin, puis je les assaillerai par devant, par derrière, par la droite et par la gauche. » Très orgueilleux, très arrogant, Satan se croyait meilleur qu'Adam et de toute l'humanité qui découlera de lui. Satan était très malin et savait très bien où se cachaient les faiblesses des hommes. Il connaît leurs désirs et leurs passions. Satan n'a jamais dit directement à Adam et Ève, « Allez manger de cet arbre !» Tout comme il ne leur a pas dit directement de désobéir à Dieu. Il a plutôt chuchoté dans le cœur d'Adam et Ève des pensées. Il a essayé d'y semer des envies troublantes, le wes-wes. Votre Seigneur ne vous interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou de devenir immortels. C'est ainsi que l'arbre devint pour Adam et Ève une véritable obsession. Puis un jour, ils n'en pouvaient plus, ils mangèrent des fruits de l'arbre. Adam et Ève se comportèrent comme tous les êtres humains, l'esprit occupé de pensées de toutes sortes et du murmure de Satan, ils en oublièrent les mises en garde d'Allah. C'est à ce stade de l'histoire d'Adam que les textes de la tradition judéo-chrétienne diffèrent avec les textes islamiques.
Nulle part dans le Coran ni dans les hadiths, il est dit que Satan se serait présenté à Adam et Ève sous la forme d'un serpent. De plus, jamais les textes islamiques n'ont laissé entendre qu'Ève aurait été la plus faible des deux, qu'elle aurait été la première à céder à la tentation ou bien qu'elle aurait poussé Adam à désobéir à Dieu. Adam et Ève ont tous deux commis l'erreur de manger des fruits de l'arbre interdit. Ils en portent tous deux la responsabilité. C'est ainsi que le péché originel de la tradition judéo-chrétienne n'existe pas en islam à proprement parler. Les descendants d'Adam ne sont pas punis pour le péché qu'Adam et Ève ont commis. Ils ont certes commis une erreur, mais Dieu, de par son infinie miséricorde, leur a pardonné. Allah dit dans le Coran, « Alors tous deux, Adam et Ève, mangèrent des fruits de l'arbre. Et c'est ainsi que leur nudité leur apparut et qu'ils se mirent à se couvrir des feuilles du paradis. » Voilà comment Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Par la suite, son Seigneur l'accueillit dans sa grâce, lui pardonna et le remit sur la bonne voie. On pourrait se demander comment Adam a pu commettre une telle erreur. La vérité, c'est qu'il n'avait jamais encore connu les chuchotements et les stratagèmes de Satan. Adam avait bien vu Satan désobéir aux ordres divins, il savait que Satan était son ennemi, mais il n'était pas familier, en tant qu'être humain, avec les façons d'éviter les ruses de Satan. Le prophète dit en ce sens, alayhi salatu wa salam, « Connaître une chose n'est pas comme avoir vu cette chose. » Et dans le Coran, il est dit « À force de séduction, il, Satan, entraîna leur chute. » En réalité, cette épreuve avait préparé Adam à son rôle sur terre en tant que vice-roi et prophète de Dieu. Il avait appris à quel point Satan était malin et ingrat et l'ennemi juré des hommes. Adam, Ève et leurs descendants savent que le diable a provoqué leur expulsion du paradis. Dorénavant, l'obéissance envers Allah et l'inimitié envers Satan, voilà donc l'unique voie à suivre pour accéder au paradis. Allah dit dans le sens du verset, « Descendez d'ici, vous serez sans cesse ennemis les uns les autres, et si un guide vous vient de ma part, quiconque le suivra ne s'égarera pas et ne sera point malheureux. » Le Coran nous enseigne que par la suite, Dieu a appris à Adam la façon de lui demander pardon, c'est l'apprentissage du repentir. Cette magnifique invocation peut être utilisée par nous tous pour demander le pardon à Allah. Seigneur, nous nous sommes faits du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement du nombre des perdants. Nous autres êtres humains, continuons de commettre des fautes et des mauvaises actions à notre propre détriment. Nos fautes et nos péchés ne causent aucun tort à Allah, ils ne causent du tort qu'à nos propres personnes. Car si Allah ne nous pardonne pas et ne nous fait pas miséricorde, c'est nous qui en subirons les conséquences. C'est donc nous qui avons besoin de demander le pardon à Allah, et ce n'est pas Allah qui a besoin de nous. Ainsi, Adam et Ève descendirent du paradis et s'installèrent sur terre. Cette expérience que vécut Adam démontre également que l'homme possède un libre arbitre comme nous l'avons vu. Comme il était déjà prévu qu'Adam et Ève habiteraient la terre, il fallait qu'ils soient conscients des ruses de Satan, qu'ils comprennent que les péchés peuvent avoir de lourdes conséquences, mais également que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Dieu savait pertinemment qu'Adam et Ève mangeraient de l'arbre défendu et que Satan leur ferait perdre leur innocence. Il est bien important de saisir que même si Dieu connaît tous les événements avant même qu'ils ne se produisent, cela ne change rien au fait que les hommes jouissent bel et bien d'un libre arbitre. Adam possédait un libre arbitre, et c'est pour cette raison qu'il dut supporter les conséquences de ses actes. Tous les êtres humains ont un libre arbitre. Ils sont libres de désobéir à Dieu ou de lui obéir, mais nous devons en supporter les conséquences. Dieu loue ceux qui obéissent à ses commandements et leur promet une énorme récompense, tout comme il condamne ceux qui lui désobéissent et les met en garde contre un châtiment s'ils persistent dans leur égarement. Plusieurs suppositions ont été émises sur l'endroit exact sur Terre où Adam et Ève sont descendus. Cependant, aucune de ces informations ne s'avère clairement authentifiée par les textes islamiques. Certains pensent qu'ils ont été dispersés sur Terre avant de se retrouver au mont Arafat, et Allah sait mieux ce qu'il en est. Ce que nous savons par contre, c'est qu'Adam et Ève sont descendus sur Terre un vendredi, car dans un hadith il est dit « Le meilleur des jours sur lesquels se lève le soleil est le vendredi ». C'est ce jour-là qu'Adam fut créé, et c'est ce jour-là qu'il fut descendu sur terre. Adam et Ève descendirent donc du paradis, et commencèrent une toute nouvelle vie sur terre. Dieu leur avait maintenant appris qu'ils devaient se prémunir des weswes du diable. Il avait appris à Adam le nom de toutes choses, et lui avait appris leurs caractéristiques et leur utilité. Ensuite, Adam entreprit son rôle de prophète sur terre. Dieu donna à Adam, son premier prophète, la responsabilité d'enseigner à son épouse et à ses enfants la façon d'adorer Allah et de lui demander pardon. Adam établit les lois de Dieu sur terre et s'efforça de subvenir aux besoins des siens en travaillant la terre.
Sa tâche consistait à perpétuer la race humaine, à cultiver la terre et à construire des abris pour les siens. Il devait également élever ses enfants qui allaient vivre en conformité avec les lois d'Allah et qui allaient ensuite prendre la relève. Quant à l'histoire de ses enfants Abel et Caïn, Habil ou Akabil, je vous invite à revenir à la vidéo complète dédiée à ce sujet et je mettrai le lien à la fin de la vidéo que vous regardez actuellement. Toute l'humanité descend d'Adam. Dans un hadith, le prophète Mohammed nous apprend qu'Allah montra tous ses descendants à Adam. Ensuite, ce dernier vit une très belle lumière dans les yeux du prophète Daoud, David, et il fut pris d'amour envers lui. Il se tourna alors vers Dieu et dit « Ô Seigneur, prends 40 ans de ma vie et donne-les-lui. » Dieu accepta. Adam était censé vivre 1000 ans, mais au bout de 960 ans, l'ange de la mort se présenta à lui. Surpris, Adam s'exclama « Mais il me reste 40 ans à vivre !» L'ange de la mort lui rappela alors les 40 ans qu'il avait donnés au prophète Daoud, David. Mais Adam nia en bloc. De nombreuses années plus tard, le dernier prophète, le prophète Mohammed nous dit Adam a nié, alors les enfants d'Adam nient. Adam a oublié, alors ses enfants oublient. Adam a fait des erreurs, alors ses enfants font des erreurs. En arabe, le mot pour humanité est insan, qui vient du mot racine nisyan qui signifie oublier. Oublier fait partie de la nature propre à l'être humain et lorsque nous oublions, nous avons tendance à nier. En réalité, Adam avait complètement oublié, il n'avait pas menti. Et Dieu, évidemment, lui pardonna. Puis, il se soumit à la volonté de Dieu et finit par mourir. Les anges descendirent et lavèrent le corps d'Adam un nombre impair de fois. Puis, ils creusèrent une tombe et enterrèrent le corps du père de l'humanité, le prophète Adam alayhi salam. Avant sa mort, Adam avait rappelé à ses enfants que jamais Dieu ne les abandonnerait. Il leur avait également enseigné que Dieu enverrait d'autres prophètes possédant des noms et des traits uniques, chacun avec des miracles spécifiques, mais que tous inviteraient les gens à la même chose, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah. Avant de mourir, il nomma comme successeur son fils Seth. L'histoire de Seth, de Abel et de Caïn, c'est-à-dire des enfants d'Adam, se trouve dans d'autres vidéos qui sont dans la playlist « L'histoire des prophètes », n'hésitez pas à y revenir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été bénéfique sur les origines de la création et sur le prophète Adam, le père de l'humanité, alayhi salam. Sur ce, n'hésitez pas à liker si cela vous a intéressé, à partager la vidéo ou même à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.